Allez, on corrige le premier exercice. Alors, pour bien développer avec des identités remarquables, pour factoriser aussi d'ailleurs, ce qu'il faut vraiment avoir, à mon avis, c'est en tête les formules. Alors, nous ici, tout simplement pour faire cet exo, pour que ce soit clair, je vais bien les réécrire. Vous pouvez, n'hésitez pas à les réécrire aussi, ça vous aidera à les apprendre. Voilà. Allez, on y va. Alors, on va y aller tranquillement au départ et puis on verra si on arrive à accélérer par la suite. Ok, j'applique le A. Alors, dans le A, il faut d'abord la première chose à faire, c'est identifier l'identité remarquable. Donc là, c'est assez facile, hein, vous identifiez la première. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est écrire ce que c'est que A, ce que c'est que B. Et puis, appliquer l'identité remarquable. Alors, on y va, hein, A carré. X carré plus 2 fois A fois B plus B carré que vous pouvez écrire également X carré plus 2X plus 1. La deuxième, je fais le même travail, j'identifie la formule. Alors vous avez vu, il y a un moins, c'est bien X moins 1 au carré, hein, j'ai un carré, c'est pas la première, c'est un plus, c'est donc la deuxième. Ok, la formule, je l'ai sous les yeux, il faut que j'identifie A et B. A c'est x, b c'est 1. Encore une fois. Et j'applique l'identité remarquable. X carré moins 2 fois x fois b plus 1 au carré. X carré moins 2x plus 1. Évidemment, hein, ceux qui sont plus à l'aise, vous pouvez laisser tomber l'étape d'identifier A et B, laisser tomber l'étape intermédiaire qui est là et directement mettre le résultat. Hein. Et puis ceux qui sont moins à l'aise, l'objectif c'est qu'à un moment vous arriviez à faire ça. La deuxième, x plus 2 au carré, donc encore une fois c'est l'une des deux premières parce que j'ai un carré, c'est un plus, donc c'est la première. J'identifie ce que c'est que A, ce que c'est que B, votre A c'est x, votre B c'est 2. On applique l'identité remarquable, A carré, plus 2a fois b, plus b au carré. X carré, 2 fois 2, 4, plus 2 au carré, 4. Voilà pour le 3. Petit 4. La 4, alors c'est encore un carré, c'est donc encore l'une des deux premières. On a un plus, c'est encore la première. J'identifie ce qu'est a. Votre a, c'est 2x. Pardon. Et votre b, c'est 3. J'applique l'identité remarquable, a carré. On n'oublie pas les parenthèses. Plus 2ab plus b carré. Comme il y a des parenthèses, le 2 est également au carré. 2 au carré, 4. X carré plus 2 fois 2, 4 fois 3, 12. X plus 9. 3 au carré, c'est 9. La cinquième. La cinquième, on est encore sur un carré, on est encore sur l'une des deux premières. On a un moins, c'est donc la deuxième. J'identifie A, j'identifie B. A, c'est 3x. Et B, c'est 5. J'applique l'identité remarquable. A carré. Là encore une fois, j'oublie pas les parenthèses. Moins 2 fois A fois B plus B carré. 3x au carré, le 3 est au carré, 3 au carré, 9. X au carré, 2 fois 3, 6 fois 5, 30. Moins 30x plus 25. Je continue. Le 6, là encore on a un carré, l'une des deux premières, on a un moins, c'est donc la deuxième. J'identifie A et B. Donc A, c'est 2A. Alors ça fait un peu bizarre, hein, égale 2A, mais c'est pas très grave. Vous bloquez pas là-dessus. Et puis votre B,
C3B. Et on y va, j'applique l'identité remarquable. Donc la deuxième, hein, j'ai un moins a carré, 2a au carré, moins 2 fois a, 2a, fois b, 3b, plus b au carré. 2a au carré, 4a carré, 2 fois 2 fois 3, 2 fois 2, 4 fois 3, 12, moins 12, AB, 3 au carré, 9, 9B carré. Donc celle-là était un peu plus compliquée, hein, puisqu'on avait la présence de 2A, 3B, ce qui peut pour vous déranger, hein, en tout cas pour certains d'entre eux. Le 7. Donc la 7, j'ai plus de carré, on va donc partir sur la deuxième identité remarquable, A moins B fois A plus B. Donc là encore, j'identifie ce qu'est A et B, hein. On a bien A, 2x, B, 5, A, moins B, A, plus B. Donc on est bien dans le cas de l'application d'identité remarquable, la troisième formule, hein, puisqu'on a bien quelque chose de la forme A plus B fois A moins B. On l'applique, A au carré, là encore j'oublie pas les parenthèses, moins B au carré. 2x au carré, 4x au carré, moins 25. Et enfin la dernière. La dernière, là encore on n'a pas de carré, donc on partirait sur la dernière. C'est bien de la forme A plus B, A moins B, avec A qui vaut 3x et B qui vaut 2. J'applique la formule 3x au carré, A au carré, moins B au carré, moins 2 au carré. 3x au carré, j'ai bien les parenthèses, ce qui me fait 9x au carré. 2 au carré, c'est 4. Et au final, on obtient la réponse. Voilà pour ce premier exercice.